Alors juste avant de commencer, petite dédicace à la chaîne YouTube Paladex, voilà, donc juste devant vos yeux, là, hop là, juste là. Et donc du coup, bah, je fais une petite dédicace parce qu'on me l'a demandé, bien entendu. Et donc du coup, bah moi, je vous dis à tout de suite, bah pour jouer, c'est parti! Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque du jour avec Best TJ niveau 9. Alors juste, ce deck ne m'appartient pas, ce deck appartient à Adama Dimension qui m'a demandé bah, de faire une petite attaque avec ce deck. Alors juste comme ça, réponds-moi vraiment, sincèrement, est-ce que ce deck c'est un troll? Je comprendrai, hein, c'est normal. Voilà, faire un... Oh! Ils ont disparu? Il a fait quoi avec mes gobelins à lance, il a fait quoi? D'accord. Alors ce deck, oui, c'est un troll, c'est pas possible. Parce que franchement, tu fais comment pour jouer avec? Je comprends pas là. À part si t'as de la chance que le mec il a pas ce qu'il faut pour te contrer, et encore c'est rare, comment tu fais pour attaquer? Parce que tu peux pas te défendre en fait. Regardez, là j'ai eu de la chance, ok, y a pas de soucis, j'ai eu de la chance. Regardez, j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai pas détruit la tour malheureusement. Oh, il reste que 8 points de vie. Voilà, regardez, viens, on est chaud, on fait ça. Allez, on est chaud. Nah, je déconne. Allez, vous savez quoi? J'ai eu de la chance, y a pas de soucis. Mais franchement, regardons le deck. Il y a quoi dans le deck? Gobelin, gobelin, gobelin à lance, bombardier, je sais plus comment on s'appelle le truc là. Attendez, il y a rien qui tue en étant en l'air, en aérien. Il y a rien du tout. Il faudrait au moins... Bah, il y a la horde de gargouilles, mais elle coûte trop cher. Et il y a rien pour défendre tout ce qui est aérien. À part peut-être les flèches, qui sont pas forcément très puissantes, donc ça dépend sur ce que c'est pas forcément très, très bénéfique. Mais à part ça, il y a quoi d'autre? Il y a... pour tuer tout ce qui est aérien, il y a le gobelin à lance. Franchement, gobelin à lance, ça sert à quelque chose, gobelin à lance? Non, non, ça fonctionne pas trop bien. C'est pas assez puissant en fait. C'est pas assez puissant, ce qui fait que bah, ça cause un gros problème en fait. Ça cause un très très gros problème et c'est là où bah, c'est chaud en fait. Donc, il y a moyen que tu fasses quelque chose là, s'il te plaît? Tranquillou? Ça va, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Juste que là, je suis un petit peu dans le caca. Hein, on va tirer effet, vite fait. De toute façon, il a pas d'or de gavouille, donc ça passe. Ah, il a détruit aussi la tour. Bon, et comment tu fais pour gagner avec ce deck? Franchement, j'ai fait 3 attaques avant toi. Impossible de gagner, impossible. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va envoyer... Ouh là, attends. Attends, on va faire ça. On va faire ça, vite, s'il te plaît. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, elle est morte. Ah, il a mis le zap, il a mis le zap. T'as vu, le zap, ça sert à quelque chose. Ouais, stoppé, c'est une des rares occasions où ça sert à quelque chose. Ah là là, il va me défoncer, hein. T'as vu, ce deck c'est indéfendable avec ce deck. Il te faut au moins des archers et une Valkyrie. C'est quoi? De toute façon, je suis mort. Voilà, je suis mort. Donc ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais dire à tout de suite pour te montrer un petit peu ce que c'est un vrai deck. Bon, bien entendu, hein, ouais, c'est pas pour me vanter, hein. Non, juste que ton deck, franchement, impossible de défendre. Hein. Tu verras qu'avec QS, ça sera déjà mieux. Alors, petit sourire, petite bonne chance. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, on va envoyer ça. Après, on va envoyer quoi? Ah, ça, par contre, c'est pas drôle, ça. Donc, on va envoyer vite la Valkyrie pour défendre, parce que sinon, on va être dans le caca, hein, voilà. On va pas être très bien si on défend pas. Donc, après, on va envoyer nos petits cochons, qui devraient plutôt bien passer. J'espère. Normalement, ça passe, hein. Ouais, ça va, c'est plutôt... C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Donc, j'ai remplacé la horde de gargouilles... Enfin, les gargouilles par la horde de gargouilles. Et j'ai remplacé le gobelin à lance par les archers et le... la Valkyrie, enfin le bombardier par la Valkyrie. Voilà, donc normalement on défend bien avec les barbares. Hop, tranquillou, et là on envoie la horde de gargouilles. Donc soit s'il a une boule de feu, t'as le démon. Dans ce cas, bah tant pis. Soit s'il a juste un zap, bah t'es tranquille. Ou s'il a juste des flèches, t'es tranquille. Voilà, ça passe. Voilà, tranquille, regardez-moi ça là. Pff, même pas besoin de défendre les... Et voilà, nickel comme ça, t'as vu? Nickel, là ça passe bien, tu vois. Ça passe bien. Après, de toute façon, t'as plus la horde de gargouille, mais y a pas de souci, t'auras de quoi défendre avec des archers ou avec la Valkyrie des fois qui fait un bon taf aussi. Et puis aussi après, bah la gargouille, tu vois, tranquille. Donc ça fait une rotation où tu peux défendre limite en permanence, tu vois. Tu peux déjà mieux défendre qu'avant parce que là, c'est impossible de ton deck il est inutilisable. Je sais pas comment tu fais. Tu dois gagner une fois sur 10, c'est pas possible. Et puis encore. Encore, c'est vrai que je suis pas non plus super bon. Donc peut-être que après tu t'es habitué au deck et t'as réussi à faire des choses avec. Je sais pas, je sais pas comment t'aurais pu gagner avec, mais on sait jamais. C'est des fois, hein, à force de l'utiliser, tout ça. Hein. Il y en a, ils arrivent pas à utiliser le mouse de lave. Et puis après, dès que t'apprends à l'utiliser, le mouse de lave,
Bon, tranquille, regardez, les petites gargouilles coûtent pas très cher. Hop, t'attends que la Velki elle t'arriette. T'envoies tes petites gargouilles, ça coûte pas beaucoup. Hop, 3 d'élixir, nickel, tu défends. Voilà, t'aurais, imagine t'aurais pris les hordes de gargouilles. Ça t'aurait coûté 5 d'élixir, ce qui est énorme. Et du coup, laisse tomber quoi. Ça aurait été horrible. Ouh, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis précipité, fait n'importe quoi. Et du coup, bah regardez, la petite Velki, boum, qui devrait nous aider à malheureusement pas beaucoup. Bon, c'est pas très grave. Normalement, ça devrait quand même faire du taf. Oh, mais elles sont pas mortes tout cela et tout là. Oh là là, c'est pas bon ça. Alors toi, t'as cru quoi toi? Alors tu sais quoi, tu m'as saoulé, tu sais quoi? Non, c'est bon, tu m'as saoulé. Oh, t'as cru que tu pouvais nous prendre comme ça là? Pff, il est fou lui. Oh non. Ah, ça fait mal ça par contre. Ça fait mal. Oh, c'est pas grave, regardez en haut, regardez en haut. T'as vu? Eh mon petit, bah attends. Voilà, tu vois, ça c'est pratique par contre. Cochon et le truc là, le fût à gobelin, je sais pas quoi là, c'est pratique. Oh, par contre ça fait mal ça. Par contre ça, sur ton deck là, impossible. Impossible d'utiliser s'il y a ça en face. Bon, de toute façon on a gagné, donc tu vois, c'est déjà mieux quand même. Non? Donc voilà, donc ça se trouve c'était un troll, hein, ça se trouve tu m'as trollé, t'as fait ce deck, t'as fait exprès tout. Mais ça m'étonnerait, je vois pas pourquoi t'aurais fait ça. Mais si c'est le cas, dans ce cas c'est pas grave, hein. Mais je pense pas que ce soit ça. Et donc dans ce cas, bah voilà, j'espère t'avoir aidé en mettant un autre deck qui est quand même nettement mieux. Hein, on va pas se cacher, il est nettement mieux. Voilà, c'est un deck quand même déjà un petit peu plus défense. Enfin, défense. Disons que t'avais beaucoup de défense, mais que pour tout ce qui est gobelin. Gobelin, qu'est-ce que je dis? Pour tout ce qui est. Quand ça s'appelle le géant royal, le cochon, tout ça là, tous ces petits trucs là, enfin tout ce qui est, bah, par exemple la tour de l'enfer, le canon vite fait, voilà, tout ce qui est. Qui t'attaque pas vraiment en fait. Tout ce qui t'attaque pas, ou peu. Eh ben, tu pouvais défendre, mais tout ce qui était Valkyrie, tout ce qui était... T'imagines, pour une Valkyrie, tu mets les hordes de gargouilles, 5 d'élixir pour défendre une Valkyrie. C'est bête, ça sert à rien. Après, tu avais quoi ouais, tout, bah, dragon, par exemple, dragon impossible de défendre, dragon de l'enfer, pareil. Toutes ces choses-là, c'est chaud, quoi. Il suffit que le mec il ait un zap ou des flèches, et bam, tu peux plus rien faire. Et imagine la boule de feu, mais là, t'es mort, t'es cuit, là, tu même pas tu bouges le petit doigt. Non, le mec, il tire une balle dans la tête, t'es fini. Ah ouais, non, mais bon, c'est un truc fou. Bon, en attendant, on a quand même fait quelque chose d'assez sympa, je pense, hein, d'assez cool, d'assez... Waouh. Non, je déconne, je déconne. Non, mais ouais, juste que, voilà, je pense que ça t'aura aidé, j'espère en tout cas. Si tu veux réutiliser ce deck, bah vas-y, fais-toi plaisir. Si tu veux pas, tu fais ce que tu veux. Et en attendant, moi, je pense que je vais te laisser sur ce, je vais dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.